Jean-François est né au cours de l'hiver 1338. Il est né à Valenciennes. Il est mort à 63 ans vers 1420. Il est décédé à la baie Sainte-Monégone de Chimani. Et il est chroniqueur à l'époque médiévale. Il a fait d'excellentes études. Voici quelques titres de ses œuvres. Le paradis de l'amour. L'horloge amoureuse. Les amoureuses de Notre-Dame. Pastourelle. La prison amoureuse. Ballade et virelet. Rond de l'axe. Le bourgeois de Calais. Et son œuvre la plus populaire, Le combat des Trente. Toute sa vie, Froissart dépend des personnages pour lesquels il réalise des poésies ou des romans chevaleresques. Il dévoile son talent dans la description des événements qu'il est témoin ou qu'il fait raconter par ceux qui les ont vécus. Froissart est considéré comme un chroniqueur ou plutôt un reporter comme on l'appelle aujourd'hui. Attaché à la famille du comté de Hainaut, il se fait envoyer en 1361 à la cour d'Angleterre, où la reine Philippa de Hainaut le prend comme secrétaire. Au contact des personnages royaux, y compris le roi Jean le Bon, prisonnier des conditions fastueuses, il entreprend la rédaction de la chronique de la guerre franco-anglaise. Le prince noir, partant pour la Castille, l'emmène avec lui. Il y rencontre Pierre le Cruel, d'où de nouveaux récits. En 1368, le prince de Clarence l'amène à Milan. Il s'installe à partir de 1391 à Château-Renaud. Il assiste au congrès d'Amiens où il se négocie la paix franco-anglaise. De retour à Valenciennes en 1400, il continue à mettre sur papier jugements et témoignages recueillis. Quand il décéda, il nous laissa des œuvres impressionnantes, essentielles, pour les historiens. Merci! Jean Froissart était bien chroniqueur. Anne-Fred! Avec le chevalier noir, Jean-François est né en 2001. Jean-François a eu 6 enfants. Ah, c'est vrai, il y en a eu! En 1000, soit chez Grex. Pourri! Est-ce que ça l'enregistre là? Oui, oh oui! Ça l'enregistre. C'est quoi? Comme vous le savez, Jeanne! Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de t'attendre! Ça fait la même chose, là, c'est pas grave! Attends, mais ça fait la même chose! Hé, c'est pas grave! Oh! Ah! Alors, non! On va vous dire comment on a fait. Mais on a raté! Non! Alors, on va vous dire comment on a fait notre montage. On a pris un drap. Préférablement de couleur vert. Mais là, on n'en avait pas, fait qu'on a pris un drap bleu. Et c'est pour ça qu'on avait des spots d'en face. Ouais. Fait que, excusez-nous, là. Puis, c'est ça, là. L'application, ça s'appelle Vidéo FX Live, mais les effets qu'on a pris, ben, ça coûtait de l'argent. Ouais. Alors, c'est ça. C'est ça. Merci! Woo!